Après un nouveau service de vaisselle à l'Élysée, une piscine à Brégançon, c'est ce que révèlent l'Express et le Figaro ce jeudi matin. Emmanuel et Brigitte Macron auraient demandé au service de la présidence d'examiner la possibilité d'installer un bassin dans la résidence varoise des chefs de l'État. Pourquoi, alors que le fort de Bormes-les-Mimosas dispose d'une plage privée, tout simplement pour se protéger des regards, au large, et des objectifs des photographes qui peuvent, sans mal, viser le couple présidentiel, même à distance. Ce nouveau bassin serait à l'abri de ces risques. Un coût limité. La question est bien évidemment celle du coût pour le contribuable. Comme il s'agirait d'un bassin hors sol, impossible de creuser là-bas, la dépense devrait être limitée. L'Express a vérifié, la référence la plus onéreuse chez Leroy Merlin est à, seulement, 12 000 euros. Bien moins, évidemment, qu'une piscine en dur. L'installation pourrait avoir lieu dès d'ici très peu de temps, pour les prochaines vacances du couple Macron, qui a déjà annoncé sa présence dans le Var cet été. Mais cette nouvelle, qui arrive après le coup faramineux du nouveau service à vaisselle de l'Élysée, par ailleurs les déclarations sur le pognon dingue, dépensé par l'État pour lutter contre la pauvreté, fait, au moins un peu tache.